d'accord. Enculé en cours, s'il vous plaît. Dont quelques-uns sont ici, Jean Ekem, qui a été capitaine de l'équipe de France de voltige aérienne, qui était un journaliste aéronautique réputé. Et bien Jean, peu de gens savent qu'il était à l'époque fusilier marin et qu'il a débarqué. Et que Jean, après avoir été déposé par une barge sur une plage de Normandie, est allé s'occuper du futur des casinos de l'histoire. Avec le commando Kiffer. Il avait à l'époque et le son absolument merveilleux des Pratt & Whitney. Et à l'atterrissage, Gabi. Le débarquement en Normandie, on vous en a donc parlé sous toutes les formes de l'instructeur voltige Jean-Éric. Je pense à un certain nombre. D'entre nous, ben, il y a une petite pensée pour Jean-Éric qui a débarqué dans l'eau agitée des rafales allemandes de la plage à côté du casino de Wistral, qui a traversé en se faisant tirer dessus un pont. Qui est allé finalement récupérer, prendre possession de ce casino au titre des fusiliers marins français. Eh bien, monsieur Axel, ah, c'est beau un DC-3. On est quelques-uns également ici à avoir beaucoup volé en DC-3 dans notre jeune temps, dans notre jeune âge. C'est un avion qui a été dessiné en 1935.